projet FABA est un projet de formation. Et qui dit formation, dit renforcement des capacités, dit apport de nouvelles connaissances, apport de technicité. Donc tout ce qui est formation pour nous va avoir forcément un impact sur la production, un impact sur les bonnes pratiques agricoles. Et c'est pour ça que nous encourageons le projet FABA à poursuivre ses activités. Aujourd'hui, les cultures vivrières sont un peu orphelines des financements publics. L'accent est plus mis sur les cultures pérennes. Et donc le projet FABA arrive à point nommé pour accompagner les acteurs de la filière banane-plantain. Et nous en réjouissons. Avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire, aux côtés du CIRAD, je pense que nous allons faire des producteurs et des transformateurs heureux de bananes plantaines.